Non, pas là. Oui. C'est bien, Eden. Voilà. Hello. On se retrouve à la maison. J'ai retrouvé mes loulous de bon matin. De bon matin, c'est le terme, hein, puisqu'Eden s'est levé dans la nuit vers 5h parce qu'il avait soif. Antoine a oublié de lui donner son verre. Et du coup, il appelait maman, mais il savait pas que j'étais là. Et du coup, quand il m'a vu, il fait « Oh, maman, rentrée travail !» Et puis, je lui ai donné un gros câlin. Bon, j'avoue qu'à 5h du matin, j'étais pas au top du « Wouh, trop content de te voir à cette heure-là », même si ça m'a fait plaisir. Et puis ce matin, j'ai droit à des gros câlins Lily Rose et tout, donc voilà. Maman, là, on joue tranquillement. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que fait Eden ici, alors qu'on est un jour d'école? Eh bien, il a eu de la fièvre tout hier, pas mangé, etc. Lily a fait pareil, alors je me suis dit, bon, je vais pas les mettre garder aux écoles aujourd'hui. Donc du coup, j'attends de voir ce que donne la journée et soit je prendrai rendez-vous au docteur si je vois que ça ne passe pas. Enfin, chez le docteur. Et si je vois que ça va mieux, bah demain, je prendrai le chemin de l'école et Lirose ira chez mamie. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la journée. Le gros, c'est mamie. Pas aujourd'hui, mon cœur. Demain, elle ira chez mamie. Et toi, t'iras où demain? Mamie. Non, pas chez mamie, Eden. T'iras à... L'école, exactement. Tu iras voir les copains? Tout à l'heure, il me parlait de ses copains, du copain Augustin et du copain qu'il appelle Zach, mais en fait, il s'appelle Jacques. Mais Dan, il l'a toujours appelé Zach depuis l'an dernier. Ah, Lily Rose a trouvé quelque chose. Waouh, Lily Rose, elle a trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont, les copains? Les copains, ils jouent. Copains, ils jouent? Bah oui, ils jouent, les copains, c'est fait pour, mon cœur. Les copains, ils jouent. Et ils jouent à quoi, les copains? Les copains. Coucou. Il court, court. Oui. Vous courez vite du coup dans la cour de récréation? Ouais. Ouais, on dit oui, je t'ai déjà dit. Oui. Oui. Et pendant ce temps-là, ces deux-là sont en train de me retourner l'espace. Enfin, plus exactement, ils jouent, hein, parce que c'est une réalité. Ils font à manger, Dan a fait un panier, il a dit à table et Lirose, du coup, il est allé chercher une vraie boîte de lait à elle. On va pas manger. D'accord, ok. Hop. Voilà, elle s'est servie ici dans les briques de lait. Ah d'accord, c'est ça l'entrée pour ranger les affaires. Ok. Ah, je crois qu'il s'est... T'es tapé la tête sur l'escalier, non? Oui, mal d'escalier. T'as eu mal à cause de l'escalier? Bah fais attention, mon cœur, tu sais qu'il est là, l'escalier. Il a pas bougé depuis le temps, quand même. Oh, oui. C'est quand même le chien. Tu vas prendre le chien? Bah vas-y. Ah oui, c'est bon, tu peux regarder. Je sais pas si vous voyez, il y a un chien dans la poussette. On lui dit au revoir, ok. Au revoir le chien, au revoir. Et voilà, il y avait pas assez de bazar. Au revoir tout le monde. Comme c'est pas assez de bazar, je crois qu'il y avait une sucieuse qui traînait par là, c'est ça. Bah voilà, pas de soucis, moi je l'ai pas vu, mais elle l'avait vu. Lily Rose, tu donnes la sucieuse à maman, s'il te plaît. Donne-moi la sucieuse, s'il te plaît. Oh, regardez ce qu'on a ressorti, c'était Séverine qui nous avait donné ça. C'est une... Petite voiture télécommandée car. Ah, et là, il faut activer la marche avant, je pense, mon cœur là. Quoi? Mets la marche avant. Pas de marche arrière. Ah non, il est en marche arrière là. Fais voir. Non, pas ça. Papa a changé les piles là. Comment fait-il? Elle est où? En dessous. Non, il est en dessous. Là. Oh. Regarde, il faut tourner avec ça. Il y a un qui pousse. Il y a une qui poursuit la voiture. Oh, ouais. T'as le hockey d'amour. Il faut la suivre, Eden, il faut la suivre. Si t'es trop loin, après, elle te capte plus, mon cœur. Les piles? Oui, les piles, après, elle te capte plus. Recule. Là? Non, l'autre bouton. Bouton. Oui, là. Voilà, exactement. Non, l'autre, oui. Lily Rose. On a bien compris. Ça y est. Ça y est, tu maîtrises comme un chef, Eden. Bonjour tout, en mode gros zoom, mais j'ai pas le choix. Voilà l'état de la caméra. Voilà, la caméra date de novembre, elle n'est jamais tombée, rien du tout. Maintenant, le même carrément plus éteinte, c'est le summum, parce qu'en fait, les vis du retour écran ont complètement claqué ici en bas. C'est tenu plus par une languette, et j'en ai pris soin malgré tout. Et en fait, je suis pas la seule, j'ai beaucoup de collègues dont les vis se sont barrées, mais aucune ne s'est autant barrée que le mien, donc je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je pense que du coup, la languette a fini par être trop abîmée, le fait que malheureusement, l'écran ne tienne plus que sur ça, et là, carrément, le truc, il veut plus...
Il veut plus rentrer l'objectif. Enfin, il est mort. Voilà, une caméra à 700 euros. Donc franchement, le Canon G7X, on est beaucoup de youtubeuses énormément à l'utiliser en caméra de vlog. Mais je suis loin d'être la seule à avoir ces soucis de vis. Mais alors, je crois que très peu de potes l'ont eu à ce point, ce problème. J'étais jusque-là avec une Sony en caméra de vlog. Je pense que je vais reprendre ma Sony que j'avais avant, là, qui refonctionne. J'avais gardé le Canon parce qu'en niveau d'image, je la trouvais un petit peu mieux. En niveau son, je la trouvais moins bien. Alors là, par contre, autant vous dire que la caméra à 800... Enfin, Sony, je l'avais payée 800 euros. Donc, elle marche encore. Donc, c'est très bien. Mais je suis extrêmement déçue. On va me dire, je peux faire marcher assurance. Je vais me renseigner. Je vais voir pour faire marcher ma assurance, retrouver mon papier. Normalement, j'ai tout bien gardé sagement. Mais là, je vous avoue que c'est un peu dépitant de... Ça me dépite un peu de voir ça, quoi. Bon, bah aujourd'hui, vous en aurez eu des caméras différentes. Hein. Je m'en excuse, mais ça y est, c'est bon, j'ai résolu le problème. J'ai réussi à trouver parmi toutes les cartes mémoire que j'avais. J'ai un tiroir où je range les cartes mémoire qui sont déjà bien remplies ou quelles je veux... que j'ai pas touchées depuis un moment. Et en fait, effectivement, je me suis rappelé que quand je suis passée au Canon, les cartes mémoire du Sony, le Canon n'en voulait pas, donc j'en avais racheté. Et c'est vrai que du coup, je m'en suis rappelée et je suis allée chercher mes anciennes cartes mémoire en me disant, il y en a bien une qui va être validée pour le Sony. C'est chose faite, donc bon, vous allez me dire, je vous aurais parlé un peu technique aujourd'hui, je suis désolée, mais ça fait partie un petit peu de mon matériel nécessaire, sinon je vlog pas. Donc vous aurez des plans au Super Canon 80D, vous allez dire, waouh, la qualité est trop bien, mais juste le truc pèse une tonne, c'est clairement pas faisable au quotidien. Des plans au portable, vous allez me dire, oh my god, what is that? Et vous allez me dire, bon bah celui-là c'est moyen, donc on va rester sur celui-ci. Bon, il faudra peut-être que je regrette, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé, donc les réglages d'éclairage, de luminosité, c'est la même chose. De colorimétrie ne sont absolument pas faits sur cette caméra. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va faire avec, parce qu'entre les soucis de matos et ma mère qui est fatiguée, je vous avoue que vous, je pense que c'est pas mal. Mon Lily Rose, on lui a donné le Doliprane, elle pète du feu de Dieu. Donc je pense juste que c'était le reste de la crève. Ce soir, j'avais complètement oublié, mais Camille nous invitait à manger couscous. Oh, attention, hop là. Hop. On va où, Eden? Eden. Non, on va pas voir Sandrine. Maren. Oui, on va voir Maren, mon cœur. Et Eden, c'est pas Maren, c'est Maren. Maren. Fais. Avec la langue, regarde la langue, faut la mettre là. Maren. Et y a qui avec Maren? Calici, exactement, oui. Ah. Ouais, non, mais il s'est dit ça. Non, il connaît la route. Hein. Qu'ils connaissent, quoi. Non, il faut sonner. La sonnette est d'un à gauche. Le bouton à gauche. Là? Oui. Appuie. Encore. Non. Encore, une seule ils n'ont pas entendu. Voilà. C'est bon, Eden, je crois. Ressonne encore un coup au cas où, Eden, on sait jamais. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est belle! Et elle a prévu une tenue pour Lily. Hein. Ah oui, c'est vrai? Et Eden? Ah bah oui, mais Eden, je sais pas, il veut peut-être se traverser. C'est pas mon cas! En princesse avec Alice. C'est la première fois que je mets un en dehors d'Halloween qu'on met un déguisement à Lily. Hein. Bah c'est pas déguisement, enfin, normalement c'est une robe normale. Mais oui, bon, et si elle, elle a le bon déguisement. C'est une robe de tous les jours, ça? Non, c'est une robe quand même. C'est quand même une robe spéciale. Là-bas, il y en a qui fait l'alcoolique quand même. Je tiens à se dire, ton homme. Bien. Mais du coup, c'est la première fois qu'elle se met en tenue mode princesse outre un anniversaire, quoi. C'est sa vie tous les jours, elle est comme ça. Moi, au cas où, pour pas donner cette habitude, j'ai pas encore acheté ce genre de choses. Wow, mon amour! C'est quoi, Tim Sao? Regarde, papa, comme elle est belle! Ça me dit quelque chose, le Tim Sao? Elles sont trop belles! Voilà! Fais voir, Lily Rose, comment t'es belle! Bonsoir! Bon, il est 21h, nous sommes entrés depuis une bonne demi-heure. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à faire endormir Lily Rose. Ça a été beaucoup d'aller-retour, passer un moment pour l'apaiser. Alors, on n'a plus les grosses crises de larmes, ça c'est. Il n'y a plus l'angoisse. L'angoisse est partie. Par contre, le fait de se lever, se relever, d'aller ouvrir la porte et de sortir, ça. Et puis d'un peu pleurer, mais c'était plutôt le pleur du genre je veux pas faire dodo. Ça n'a vraiment pas du tout les mêmes pleurs. Mais... Je suis restée avec elle un moment dans sa chambre pour qu'elle soit calme, après derrière la porte, après je suis restée un moment derrière la porte en fait pour que dès qu'elle ressort je la remette aussi sec dans le lit en fait. Et puis bon, je sais pas combien de fois j'ai fait ça, mais je me dis que petit à petit ça va se calmer, il faut juste que je prenne une demi-heure de ma soirée pour faire ça quoi. Donc je redescends plus en fait, j'attends vraiment, je suis assise sur la première marche d'escalier puis j'attends.
Je me dis au moins une fois que je sens que ça fait un moment qu'elle est posée dans la chambre, qu'elle ne bouge plus, enfin après qu'elle se tourne dans son lit mais qu'elle ne bouge plus, je pars, c'est rien que je mette la caméra, parce que certaines m'avaient dit mets la caméra, mais en fait je trouve que c'est qu'elle sort direct, donc en fait la caméra ne m'avance en rien parce qu'il faut que je remonte dans le truc. Donc je reste en haut. Voilà, demain du coup le rythme normal reprend, tranquille. Je suis en train de vous chercher un truc, je voulais vous montrer quelque chose. C'était très très chouette, franchement on a super bien mangé, ça m'a fait super plaisir de pouvoir voir Camille Gaël là, parce que c'était un moment qu'on les avait pas vus juste eux, et c'était vraiment très très bon. Ils nous ont dit que c'était extrêmement simple à faire un couscous, du coup pouvoir que je pense à le refaire. Là je vais bientôt recevoir normalement un appareil de cuisine qui est vraiment pas mal quand comme moi on n'est pas vraiment de la grande cuisine mais qu'on a envie de faire des choses plus travaillées, etc. Donc du coup je vous dirai des nouvelles quand je le reçois. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le recevoir, mais bon, bref. Je voulais vous parler de la chaîne Parentillage, je sais pas si vous la connaissez. Elle avait avant une chaîne maman où elle faisait plus du face caméra. Elle s'est vachement achetée sur le mode podcast avec plein de thématiques. Voilà, par exemple le fait qu'elle travaille à temps partiel. Voilà, là, elle est différente, là il y a Montessori, etc. Voilà, avec plein de thématiques, et en gros c'est des vidéos où il n'y a pas besoin de regarder mais d'écouter. Du coup c'est un format de vidéo que je trouve qui est pas mal, parce qu'effectivement moi j'ai pas le temps de regarder des vidéos. Du coup voilà, je voulais vous partager, parce que du coup c'est vrai que le format qu'elle a fait, que YouTube ne la met pas du tout en avant, et je trouve que c'est dommage, ça peut être sympa pour ceux que ça intéresse. Donc vous avez le lien, si j'oublie pas, juste en barre d'infos, sinon vous tapez parentillage, parentillages, et vous devrez pouvoir la retrouver sans souci. Voilà, c'était un petit partage du soir. De temps en temps, je pense que ça peut être sympa de partager un compte que j'aime bien pour différentes raisons. Dites-moi si vous trouvez ça pas mal. Voilà, puis n'hésitez pas à me partager les votes comptes que vous aimez bien en dessous. Et du coup, je m'excuse, j'avais pas eu de vlog hier, enfin avant-hier. Mais dimanche, ça a été... En fait, c'est que le veille au lendemain, c'était devenu vraiment très compliqué à gérer, parce qu'en fait... Je vous le postais à 7h, je montais à 21h. Ça finissait à 1h du matin, donc j'ai fait « Oh là là, c'est plus possible, je vais pas tenir le coup. » Donc il fallait qu'il y ait une journée où il n'y ait rien pour que je puisse reprendre le rythme classique. Mais voilà. Donc pas d'inquiétude, il y a juste une journée qui manque. Ça peut arriver de temps en temps, hein, pour une raison ou pour une autre. Si jamais il y avait quelque chose de grave, je vous en aurais tenu informé. Si je dis rien, c'est qu'il n'y a rien de particulier à énoncer, ne vous inquiétez pas. Sur ces belles paroles, ou pas d'ailleurs, je vais vous laisser, puis on se retrouve demain pour une journée un peu plus organisée, parce que là, entre le matériel qui galérait et Lily Rose qui n'était pas en forme, c'était pas la journée la plus oufissime du monde, mais bon, comme tout parent, on a des jours où les enfants ne sont pas en forme. Bref, je vous fais des bisous, et puis on se dit à demain.